Hey yo, salut. Oula, j'ai ma voix qui s'est un peu cassée. Salut, ça va? Très bien. On est parti sur Olaf Jungle. En face, il y a un Malphi Jungle. Oh là là, des matchups qu'on n'a pas l'habitude de voir et on va essayer de carry cette game. Olaf, c'est très fort en jungle. Ça a juste une early game compliquée, mais je vais essayer de vous prouver à quel point ce champion est capable de faire de très grandes choses. On va augmenter le volume de la musique, c'est vrai qu'il n'y en avait pas sur la game précédente. Hein. Et oui. Voilà. Hop, 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 Olaf Jungle, c'est fort en ce moment, c'est très tanky. En plus, je joue en 9-21 au niveau des maîtrises. Sur mes runes, je suis en full AD avec armure RM classique. Mais 9-21 au niveau des maîtrises, donc je vais avoir une early game compliquée. Vous allez voir qu'après, quand je commence à avoir mes 2-3 items, je deviens imbutable et je commence à faire des dégâts monstrueux, bien évidemment, avec la frappe sauvage et les dégâts bruts de la frappe sauvage. En plus, maintenant, il y a un ratio AD dessus. Comme vous le savez, c'est très très fort. À smiter, c'est pas grave, en tout cas je suis bien aidé par ma jungle. Hop, avec le petit H à basse tranquillement. Et voilà, on va enchaîner directement sur le buff rouge. Si vous remarquez bien, j'envoie les H entre chaque auto-attaque hein, pour vraiment perdre aucun créneau d'auto-attaque. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, mon gars. T'es capable de le faire. Déchire. Déchire les sbires. Déchire les sbires. Déchire les sbires. Ça marche bien. Riven contre Nicton en top. Malphi Jungle, ça a pas gank. Hein, donc, je m'inquiète pas pour l'early game. C'est tant mieux. C'est vrai, la seule faiblesse d'Olaf en soi, c'est le début de partie. Le début de partie où finalement le jungler en face a beaucoup plus d'impact que vous. Mais là, vu que c'est un Malphi, en soi, même pas peur. Ouais, j'ai pas assez de mana. C'est un joke. Voilà, tiens, mange. Qu'on profite du buff des golems hein, qui nous permettent d'étourdir les sbires dans la jungle. Pour faire rapidement le buff bleu, on fait le gromp et on va back instant. Bon, ça passe facile. Hein. Il y a un double kill sur la top lane. Ils se sont entretués. Moi, je vais même faire les loups. Je vais même faire les loups hein. Je vais pas claquer ma posture, j'ai envie de la garder. No flash connecton, c'est une info importante. Oh, ça passe hein. Vous voyez comment c'est fort hein, Olaf en jungle. Ok. Allez chercher. Pour l'instant le smite violet pour me faciliter la jungle hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un farmer le Olaf. Et je vais donner de la vision en fait là mes alliés. Alors comment je vais donner de la vision? Je vais faire les crapauds. Donc déjà, je vais faire golem, crapaud, race. Icom top in 130. Golem, crapaud. Ensuite, je crois que je vais directement rush top. Faire le crapaud et gank top. C'est parti. Ah. Le CD sur la hache est nain, mais ouais, mais faut aller la ramasser quand même. Donc il y a nos erreurs dans certaines situations. C'est un peu compliqué, mais ouais, oui, pour le jungle, c'est sûr que. Y'a rien de plus simple. Donc moi, je max la hache hein, sur Olaf. Je max la hache sur Olaf pour le ralentissement. J'ai hésité, mais oui, oui, c'est bien ça. Je vais le faire en 2 secondes le crapaud. Tellement vite. Hop. Faudrait qu'il fasse gaffe, top, faudrait qu'il ward. Du coup, je vais pas gank top tout de suite parce qu'il a trop push. Je profite vraiment du buff bleu. Ouais, c'était sûr qu'il allait se faire gank. Après, ça reste un Malphite. J'espère que ça va pas mourir face à un Malphite. Enfin, qui a même pas son level 6. Malphite doit back là. Et là c'est le moment pour moi d'arriver de gank.
Donc si vous avez remarqué, je le joue sans flash, hein, mon Olaf. Un peu bait. Même s'il y a Malphite qui est resté, j'ai mon Ghost. Je ferai pas ça tout de suite. Il a pas de flash, hein, si j'en crois ce que m'a dit Larriven. J'ai ralenti. J'ai envoyé Malache un petit peu trop loin. Normalement, en la récupérant, je peux le tuer. Voilà. Je l'ai envoyé un tout petit peu trop loin, ça faut faire attention, c'est la seule difficulté sur Olaf, comment vous positionnez votre hache. Surtout que c'est le sort que je max, hein, donc faut que je fasse attention. Mais voilà, derrière, vu que c'était quand même sur la trajectoire sur laquelle j'allais chase le Renekton, on récupère le kill à la hache derrière en mode swag. C'est vrai que c'est stylé de faire ça. Par contre, il ouvre le grappille, parce que ça fait peur. J'ai cru que j'allais croiser un Malphite en train de le faire. Donc je m'en fous en fait que ce soit. Je viens pas gank. Je kiffe faire les crapauds, j'adore faire les crapauds en solo queue, c'est trop fort. On va avoir les timers buff, 50 secondes pour mon raid, je fais juste le gros PG back. Le flash mid. Ya! On a le level 6, très rapide. Je vais faire les thèmes offensifs, moi je suis un bourrin. Je suis un bourrin moi. Kalista qui fait le kill boss, ça c'est GG. En plus il die pas. Normalement top elle va snowball. Elle a le level 6, elle a le brutalizer. J'ai mon raid qui va respawn. C'est bien. Quatre, trois, deux, un. Explosion. C'est important aussi d'être toujours sur vos timing buff, hein. Pas perdre une seconde. Snowball est en place. Par contre, elle a fait un peu de la merde. Elle va mourir aussi, mais elle aurait jamais dû mourir. Elle a vraiment fait de la merde. C'est un truc chelou, quoi. Elle est jamais censée mourir face à un Renekton dans cette situation. Après, la lane push. Attends, entre 4, 3. Ah c'est tendu hein. Ça push, c'est assez tendu. Ça va quand même push dans notre sens donc ça va. Faire le bleu rapidos. Non je le bleu. Formidable. Je déteste donner mes bleus quand je suis jungle. Vous savez pas à quel point. Et genre. Mais je voulais vraiment le prendre. Ouais, là c'est vraiment on fait genre, mais. C'est vite de suicide. Ce sera mignon. Je sais pas si elle a mis une pink, Lorianna. Ou juste une ward classique. Elle a mis une ward classique. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'elle est. Attends, un manque de Malphite sur la top lane. Parce que là, il lui met trop la sauce, Riven. Et je vais essayer de chercher le Malphite. D'ailleurs, je l'ai trouvé. La petite hache. La petite hache. Oh bien wesh. Oh je l'ai eu. J'aurais eu trop la haine. Par contre je viens de donner double buff à la. Genre je suis arrivé. Hop. Ouais, je pense que c'est Greedy, elle a pas son shield. Stun. Quel type de bot j'ai fait? Je pense que je vais faire des mercures. Flash Renekton, vous êtes bien mignon avec vos timing flash, mais bon, c'est bien juste que vous ne mourrez pas. Avec gank mid, all planet. Ce qui est bien, c'est surtout que j'ai eu l'XP sur le red buff de Malphite avant de die, donc je suis vraiment bien niveau XP. Jamais raté CH avec Olaf. Hein. Jamais raté CH avec Olaf. C'est comme ça que vous pouvez carry les games. Si vous remarquez bien, je fais toujours très attention à ma manière de positionner ma hache. Swag. J'adore tuer les gens avec la hache. Je trouve que ça fait trop swag.
Quand je tue quelqu'un avec ma hache, vous devez spammer sur le chat. Swag. C'est juste pour vous faire chier en fait. Mais vous devez le faire. Si vous le faites pas, vous pouvez être kické à tout moment. Sachez-le. Donc dès que quelqu'un meurt sous la hache, c'est spam swag sur le chat. Je bouffe sa jungle là. Tu vas récupérer bot lane. Vas-y, confiance, tu le fais. Le croco. Bateau, il attaque de toute façon. Encore double buff. Il va se faire ult. J'étais tellement sûr, je comprends pas pourquoi il est resté le gars. Et à vous de jouer. Bon, je vais quand même pas faire exprès de les tuer à la hache pour vous faire crier swag. Parce que quand je vais me louper, je vais un peu l'avoir mauvaise. C'est tellement fort, bro bro. Bro bro. Bro laf. Merde, ma hache. Oh, ils font chier à dailler. Putain, je suis niveau 10 quoi, je suis top level de la game. MDR. MDRE. Je crois que je vais croiser une Orianna. Ça va pas me faire plaisir. Ok. Aïe. Back and go drag, don't die. Je pense que je suis clair. Depuis quand ça coûte 1050 ça? C'était l'achat d'item le plus long du monde. Swag, noob, noob. Mais non, mais c'est swag qu'il faut spam. Je lag tellement que je me suis fait spoil par le chat, j'ai raté le kill. Quand même, dis pas qu'ils font le Drake. Je peux me faire voler quand même. Alors que c'est moi qui les call quoi, putain. C'est mon idée. J'ai mon gosse dans 10 secondes, je vais être un monstre. J'aimerais trop faire le raid avant. Il faut bloquer l'Orianna. Oh, la hache qui touche. Vas-y, ult. Vas-y, ult. Regardez. Oh, merde, je crois que j'avais. Je crois que j'avais ma hache. Du coup, j'ai voulu partir pour la tuer avec la hache sur le truc. Et je vois que j'ai pas ma hache. Je l'ai pas ramassée. Bah, j'ai oublié ma hache. J'ai perdu ma hache. Tiens, moi la tour. Bah oui, go. Kalista Olaf, ça va se faire très très rapidement. C'est quoi ton item jungle avec Olaf? C'est l'item avec le brutaliseur, le full AD. Ouais, parce qu'après je vais partir sur du full tanky, donc c'est vraiment le seul item offensif que je m'accorde. You are dead. But I think you wanted that. Yes, yes, you wanted that. Tiens, me, I wanted this beer. Ça sent pas bon for me. Ça sent pas bon for me. For me. For me. Ah bah si, ça sent bon for me. Je prends une toile. Dans tous les cas, je pourrais pas défendre la toile mid. On va essayer de prendre la toile bot. Allez. Allez, moi là. Oh, casse-moi ces bâtiments. Casse-moi tout ça. Je peux tellement le découpe. Vas-y, je grille pas.
Vas-y, venez, 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 venez. C'est pas wardé, c'est sûr, ils sont pas venus sur la botlane depuis genre une heure. Par contre là, il va checker. Allez, est-ce que ça passe? Ma hache! Non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de me stun. Ah ouais, j'ai fait un doublé. Sur la vie de ta mère. Ok, nice, les. Ah, voilà, c'est vraiment un champion qui casse des bouches, quoi. Vraiment. Qui casse des jambes, qui fait des trucs bien. Yugi! Dogby, t'es comme la hache de Hawaï, tu sers à rien. Putain, il fallait qu'il y en ait un qui la fasse, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas tué un mec avec la hache, là. Du coup, y a pas de swag. Quoi? Qui m'a pris mon bleu? Lux, t'es où? Je te bouffe la gueule. Oh, crapaud. C'est mon pote. Eh bien là. Oh, j'ai touché. Oh, j'ai encore touché. Oh, j'ai pas touché. Oh, il va vers ma hache. Non! Oh putain, vous l'avez senti venir, hein, le swag. Hein. Le Drake, il y a rien à faire vraiment. Et peut-être son red buff. Vas-y, faut pas lui laisser. Si on a que ça à faire, on peut faire. À part si c'est agréable. On a le Zonia. Pas le temps d'utiliser. Je tanky, hein. Je tank vraiment comme un porc. Je suis très tanky. Je reste au cas où Mal utilise son ultimate. Y'a pas les loups encore là? C'est une blague ou quoi? Ils arrivent en même temps les loups. C'est quand qu'ils arrivent ces loups? Please. Loup! Maintenant! Sortez de votre tanière! Sors de là! Sors! Sors! Ok, reste. Y'a leur bleu, 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 je vais me faire ulti. Toujours chercher à counter jungle votre adversaire, hein, quand vous êtes dans cette situation là. En fait, les opportunités quand vous êtes devant et que vous pouvez pas siège les tourelles, c'est les Drake et les repops de buff, hein, n'oubliez jamais ça. Donc là, il y a son bleu, il y a son raid, on essaie d'être dessus. Catch. Swag. Oh, à vous de jouer les gars, je l'ai eu. À la hache. I'm here. Trop de swag, tu le swag. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Je vois des mecs, je leur mets des haches, ils meurent. En tout cas, en ce moment, j'ai vraiment retrouvé un gros plaisir à jouer à LoL. Je pense que ça se ressent. Je m'amuse, je joue plein de champions différents. Franchement, c'est dans ce moment-là que tu kiffes le jeu. Donc l'atmosphère en solo queue, bah regardez, hein, je sais pas si vous suivez tout le Rocket ou Diamond, mais l'atmosphère en solo queue, bon, ok, le mec il dit ça et can you report Renekton. Et c'est plutôt amélioré dans l'ensemble. 51 secondes dragon, là faut prendre la position les gars, faut pas se permettre d'être en retard. Every time there is a French guy, he is rude. Et moi je suis French, moi aussi. Qu'est-ce qui vous arrive avec les franches? Même si je suis un mec franc. Non, c'était pas archi pas marrant ce que je viens de dire. Je retire. Je biperai ce moment-là sur la vidéo YouTube. Pff, qui sait faire ça? Si y a un mec qui fait ça IRL, franchement je lui paye un skin. Y a un mec qui fait ça IRL et qui m'envoie une vidéo, je lui paye un skin. Sans mytho.
www.facebook.com/dogby, www.twitter.com /dogby. Y'a qui à ramasser là? Y'a qui à swaguer? Y'a qui à swaguer? Allez toi. Coup de tête balayette manchette. Gonache. Vas-y, gonache, 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 gonache. Pour le fun, vous êtes pas fun. Olaf only. Could you. Qu'est-ce qu'il y a, Olaf only? C'est la première fois que je joue Olaf. Je suis pas un Olaf only. Voilà, un Renekton qui. Attends, on va swag? On a pas le temps. Masse thune. Ah ouais, je suis à 10-1. Ok, c'est même pas rendu compte, je jure. Je jouais ma game normale. Je comprends mieux en fait pourquoi le Olaf only. Oh, j'ai envie de faire un maïs gelé. Masse dégâts en plus. Masse low. Oh, vas-y, je me fais plaisir. De toute façon, on a win. Du coup, je fais rendu win maintenant. Nashor. Allez Rivan, mais oui, t'es un champion. Allez mon gars, on te trust. Tu vas prendre un ulti de Malphite. Bon, ce sera grave overkill, mais bon. Ceci était le pire flash du monde. Légendaire. Ongala, Ongala, Ongala. En plus c'est un champion qui est vraiment pas dur à jouer. Vraiment juste cette mécanique de la hache en fait, qui est quand même pas spécifique parce que faut pas tout le temps l'envoyer max range. C'est une range qui est gérable. Donc si vous êtes au corps à corps, faut mieux faire des petites haches comme ça, attaque. Comme ça tu la ramasses direct, tu la relances direct. Si tu fais genre ça alors que t'es au corps à corps, bah tu pourras pas profiter de ton cooldown de... Puis très tranquille quoi, 3300. Enfin franchement ça fait une frontline à lui seul, ça fait masse dégâts, c'est vraiment un très bon champion pour moi Olaf. Très facile à jouer en plus, un peu comme Xin Zhao. Sauf que bon, un peu plus kill dépendant que Xin Zhao. Le swag? Le swag? Oh, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu à la hache, je suis triste. Et où sont la défense? Le mec qui va attendre la hache pour le tuer. Les gars, ça va vous tuer dans pas longtemps. 3, 2, 1, vous êtes prêts? Hop! Oh non! Report. Get Karyalus. Allez, report you, bad player. Oh, c'était swag. Ça, c'était moins swag. Ult, 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 ult. Combat d'autiste. On finit pas la game là, pour de vrai. Mais sur la tête d'Oam, je vais les déchirer. Qu'est-ce que t'as toi? Vas-y viens ici, sur la tête d'Oam, je fais trop le mec, il m'a regardé trop mal. Il m'a regardé de travers, il m'a regardé de travers. Oh, oh, je me suis pris une boulette. Ça fait du bien. Et... Oh, j'ai pas atteint les 4000 points de vie. Attends. Oh, j'ai pas atteint les 4000 points de vie, je suis trop triste. 3983 PV. Comment? Comment? Un spam noob quand tu fails la clash. Mais non, vous êtes les pires. Je vous hais. Je veux 4000 points de vie. Est-ce que je vends mes bots? Je peux avoir un peu de points de vie supplémentaires.
Pas d'élixir, pas assez pour l'élixir. Élixir de rage. Voilà, 3983 PV. C'est comme ça que ça se terminera. Et c'est la game. Attends, vous êtes vraiment les pires, hein. Parce que je vous montre, parce que les gens vont pas me croire après sur YouTube. Regardez, regardez ce que j'endure. Voilà, voilà, j'endure ça. Quoi, je viens de faire 15-0, quoi. Pourquoi tant de haine envers moi? Too much haine. Mais regarde, laissez-moi tranquille. Bon, je suis pas top dégâts. Mais ouais, qui a encaissé le plus? Non, je crois que je suis même pas le mec qui a encaissé le plus de dégâts. Ils m'ont juste... Ah si, quand même. Parce que je me suis dit, ils m'ont juste ignoré, mais pas tant que ça, en fait. Ils m'ont pas tant que ça ignoré. Est-ce que je suis le plus riche de la game? J'ai au moins cet honneur d'être le... Je suis jungler, je suis le plus riche de la game, quoi. Enfin, c'est bon. Pourquoi je mérite pas ça? Je mérite pas ça, les gars, vous êtes pas cool. Non, en tout cas, vous l'avez vu, Olaf, c'est très fort, hein. Ça casse vraiment des gueules. Juste attention en early game, vous avez vu, j'ai pas été très présent. Et finalement, derrière, dès que j'arrive, ça fait mouche. Donc, prenez le temps de farmer dans votre jungle. Et après, faites-vous plaisir au niveau de vos fights. Faut juste bien gérer la hache. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas de flash, hein. Moi, je joue vraiment avec le ghost. Ça vous permet vraiment d'avoir des vraies rentrées dans les fights. Mais vous n'avez pas de flash, donc faire très attention. N'hésitez pas à sortir des flashs quand vous êtes face à des Jarvan, des choses comme ça qui peuvent vraiment vous lock. Mais ouais, quand vous n'avez pas de flash, n'oubliez jamais ça quand vous allez faire des gangs, parce que le ghost c'est pas oufissime en début de game. Et donc c'est par contre après en late game quand vous êtes très tanky et que vous courez genre deux fois plus vite que tout le monde, là le mec se dit putain je peux pas le taper, je peux pas l'escape, qu'est-ce que je fais quoi. Alors que le flash là dans ce moment là aurait servi beaucoup moins. Donc c'est un choix, mais faites toujours très attention à ça. Mais Olaf c'est fort, c'est simple à jouer. Et donc faites-vous plaisir, stuffez-vous tanky, vous allez faire des dégâts naturellement. Puis voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça de gagner une game. En tout cas à ce niveau là. On est toujours dans le BO, il nous manque une victoire sur les deux prochaines games pour passer à la division supérieure. Donc on se dit à tout de suite pour ceux qui sont live, à très bientôt sur YouTube, hein. Une vidéo à pratiquement tous les jours, vous le savez. N'hésitez pas à mettre en pouce vert ce que vous avez pensé de ce Olaf ou quel champion vous aimeriez voir dans cette Unranked ou Diamond. J'essaie aussi de prendre vos avis sur YouTube. Et en attendant, bah, moi je vais rester avec eux là, ceux qui me traitent de noob. Donc bon, souhaitez-moi bonne chance. A bientôt.